Merci, Monsieur le Président. Oui, non, c'est une bonne initiative que de soutenir les marchés au sein de la région et d'organiser un concours pour pouvoir reconnaître les marchés les plus intéressants. Ça rejoint un peu un amendement qui a été présenté tout à l'heure, c'est de dire qu'il faut peut-être tenir compte dans l'attribution du prix, dans les critères d'attribution du prix, de la mise en valeur, la mise en exergue des circuits courts, du bio. On vit dans une époque où les Français ont de plus en plus envie de bien manger, savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, savoir que ça provient aussi de producteurs locaux. C'est beaucoup plus finalement intéressant de savoir qu'un marché va être récompensé parce qu'il favorise justement ces circuits courts et cette alimentation saine. On a cité tout à l'heure le label Ici c'est local qui est porté par l'INRA et qui est en cours d'expérimentation sur le marché de Privas avec un succès d'estime de la part de la population. Donc si on pouvait tenir compte de ces critères dans l'attribution des prix dans le cadre de ce concours régional, ce serait encore plus sympa. Merci.